6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 8h33, nous avons 27 minutes d'avance sur 9h. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Eh oui, voici les infos sur Énergie. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous. Le Vaucluse est en vigilance météo orange, neige et verglas encore ce matin. L'est du département est tout blanc alors qu'il pleut le long du Rhône. Les averses devraient se calmer d'ici la mi-journée avec le retour du soleil. Au thermomètre, compté 6 degrés au max aujourd'hui. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfête, le spécialiste de la fête au Pontet. Prudence donc sur la route ce matin en Vaucluse. La neige tient par endroits sur l'est du département. 5 à 10 cm sont annoncés, jusqu'à 30 cm sur les hauteurs. Des perturbations peuvent toucher les transports scolaires. La vigilance météo neige et verglas est valable jusqu'à 20h et concerne en tout 17 départements. Grosse actu sport ce lundi avec du foot tout d'abord et du changement qui s'annonce aujourd'hui à l'ACR Lavignon. Un nouvel entraîneur va être annoncé cet après-midi. Franck Dumas devrait prendre la relève de Pierre Mosca. Le technicien de camp limogé l'an dernier par manque de résultats devrait signer un contrat de 2 ans et demi. Sur le terrain, belle opération des Provençaux ce week-end. L'ACA est allé faire match nul chez le Dauphin de Ligue 2 Nantes, un partout. Le PSG maillot jaune de la Ligue 1. Paris a fait le trou ce week-end lors de la 24e journée de championnat. 6 points d'avance sur Lyon, battu par Lille 3-1. 8 sur Marseille, tenu en échec un partout à Évian. Un autre match avait lieu hier. Rennes s'est imposé 2-0 face à Toulouse. En tennis, c'était presque un derby hier après-midi en finale du tournoi de tennis de Montpellier. L'Avignonnais Benoît Paire était opposé au Biterrois Richard Gasquet et victoire logique de l'Hérolté en 2-7. On écoute la réaction de Benoît. Je trouve qu'il n'a pas fait énormément de fautes directes, c'est-à-dire qu'à chaque fois pour faire le point il fallait vraiment que je tente un coup gagnant ou... donc c'était vraiment un match très dur pour moi et puis surtout en finale, donc c'est jamais simple, donc mes coups partaient pas forcément très très bien, mais c'est pas grave, c'est... J'apprends petit à petit et je trouve que c'est déjà une très bonne semaine. J'aurais très bien pu, comme on disait tout à l'heure, s'arrêter au deuxième tour contre Tarsis. Voilà, une ballette qui passe. Aujourd'hui, les ballettes, elles sortaient un petit peu de temps en temps. Mais je suis très content de ma semaine. Cette défaite de Benoît lui profite hein, tout de même. Il passe de la 43e à la 38e place du classement ATP grâce à cette finale jouée. Les remises de prix, ça continue après les Energy Music Awards, place aux Grammy Awards américains. La cérémonie vient de se terminer à Los Angeles. On retiendra notamment la meilleure interprétation vocale pop pour Adele avec Set Fire to the Rain. Gauthier repart avec plusieurs trophées dans l'enregistrement de l'année pour Somebody That I Used to Know. Carton aussi du groupe Fun, grand gagnant de la soirée. Beyoncé repart avec la meilleure performance R&B. Voilà pour vos infos. 8h36 sur Energy, Manu dans le 6-9. Très bon début de journée à vous. On est là comme chaque matin, on démarre ce lundi, c'est le 11 février, soyez les bienvenus, tout le monde est là pour vous. Stéphanie. Oui, qu'est-ce qu'on est bien. Oriane est au standard. Bonjour. L'équipe est là. Bonjour. Ouais. Vous nous rejoignez en nous appelant au 0870 42 48, ce numéro de téléphone qu'on a mis en place pour vous est gratuit, ça ne vous coûte rien quand vous nous appelez un téléphone fixe. N'hésitez pas, vous venez avec nous, 0870 42 48. Dans une minute, je vais vous sortir un sondage qu'un site internet a fait sur les grandes excuses données pour arriver en retard au boulot. Ah. Je vais vous donner les trucs total et deux, trois excuses incroyables, mais vraies, ouais, qui ont été données. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur une interview de Mika. Vous l'avez peut-être entendu sur Énergie. Mika a fait une interview. Ouais. Mika, grand chanteur, on l'avait reçu d'ailleurs au début de l'année. Écoutez bien ce qu'il a dit. J'aimerais que vous tendiez l'oreille. Le plus que je me mets dans le studio pour écrire, le plus que je vais écrire, et les chansons sont meilleures. Et donc, c'est quelque chose que je peux pas juste tremper un petit doigt et je dois me mettre à fond. De quoi il parle? Mais t'as l'esprit tellement mal tordu. On réécoute. Le plus que je me mets dans le studio pour écrire, le plus que je vais écrire, et les chansons sont meilleures. Et donc c'est quelque chose que... Attention. Je peux pas juste tremper un petit doigt et je dois me mettre à fond. Je peux pas juste tremper un petit doigt, je dois m'y mettre à fond. Mika. Ah bah Mika enfin. Il parle de son investissement dans son travail de musicien. Ouais bien sûr, Auriel au standard. Je pense qu'il l'a fait exprès pour nous émoustiller. C'est calculé ça. Une petite dernière alors, pour le plaisir. Le plus que je me mets dans le studio pour écrire, le plus que je vais écrire et les chansons sont meilleures. Attention. Et donc c'est quelque chose que... Je peux pas juste tremper un petit doigt et je dois me mettre à fond. T'as vu bien sûr. Enfin, garde la tête en dehors. Oh. Tu fais rêver.
fait. Hein. 8h38, voici Pitbull et Christina Aguilera sur Énergie. Le Super 06 arrive juste après et je vous donnerai les meilleures excuses pour arriver en retard au boulot. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Bon réveil.